Vous n'êtes pas sans savoir que les indépendances de l'Afrique se sont fait passer de la façon suivante. La France, lors des indépendances de l'Afrique, ayant peur, ils avaient le choix, est-ce que soit les pays africains restaient français et un Africain noir pouvait devenir président de la République, soit ces pays devenaient indépendants, donc d'une façon sur papier, donc ça leur permettait de ne pas voter et de s'inscrire donc dans les cultures politiques donc de la France, et en créant l'indépendance, on se libérait de ce problème. Cependant, ça fait 70 ans que la France continue à dominer ces pays. Voilà 70 ans que nous avons un rapport ami-ami avec l'Afrique, et qu'encore aujourd'hui, nous ne connaissons rien de l'Afrique, nous ne connaissons rien des Africains, et pourtant chaque Africain connaît l'histoire de France un peu par cœur. Il faut savoir que, par exemple, le franc CFA, pour ceux qui savent, s'il y a des Africains qui sont ici, peuvent confirmer, le franc CFA, qui est une monnaie française, qui est imprimée à Clermont-Ferrand, à Chamalières, qui appartient à 100% à la Banque de France, met en esclavage monétaire 15 pays en Afrique, parce que nous rajoutons les Comores avec l'Afrique, les Afriques centrales et l'Afrique de l'Ouest. Donc vous avez trois régions du franc CFA. Ces trois régions du franc CFA ont une monnaie qui ne leur permet pas à eux-mêmes d'échanger ensemble. C'est-à-dire que c'est des monnaies qui ne servent qu'à leur pays. Il faut savoir que lorsqu'un pays du franc CFA travaille, lorsqu'un ouvrier ou un cultivateur africain travaille, c'est la Banque de France qui s'enrichit. Lorsque la France achète du cacao en Côte d'Ivoire, vu que le franc CFA appartient à la France, c'est la France qui décide le prix du cacao. Et lorsque le Français paye le cacao, comme il le paye en franc CFA, c'est la Banque de France qui gagne. Et donc, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi les pays africains n'avancent pas, les pays africains n'avancent pas parce que, avec cette monnaie qu'on appelle le franc CFA, il est impossible de grandir, impossible de gagner de l'argent, impossible d'investir, impossible de produire. Et donc, de ce plan, les pays africains ne vivent que sous les dons du FMI et des aides mondiales. Et donc, pourquoi on parle de citoyen à citoyen? Parce que la seule façon d'aider l'Afrique aujourd'hui, c'est les citoyens français, les citoyens d'Europe qui doivent dire stop. Parce que si Hitler a dominé le monde pendant 6 ans et a fait des crimes que tout le monde connaît aujourd'hui pendant 6 ans, 70 ans après, les Allemands ne se sont pas encore remis de ces crimes. Parce que les Allemands ne croient pas, ont du mal à croire que leur armée, leurs militaires ont fait ça, leur politique ont fait ça. Français, Françaises, le jour où vous ouvrirez les yeux sur la France-Afrique, c'est plus 6 ans, c'est 70 ans de dictature, de crimes et de pillage de l'Afrique. C'est-à-dire que vous les Français, nous les Français, nous avons 70 ans de crimes sur la gueule. C'est-à-dire pour nous en remettre, ça va être encore pire que les Allemands. L'esclavage a été aboli, c'était la commémoration le 10 du mois dernier. Mais si vous cherchez vous-même et que vous vous renseignez, vous verrez qu'avec la monnaie franc CFA, lorsqu'un Africain travaille, c'est pour la France. Donc ça s'appelle de l'esclavage monétaire. Si un pays de l'Afrique veut sortir de cet esclavage monétaire, vous remarquerez que l'armée française va gentiment envoyer ses militaires, va gentiment envoyer ses légionnaires, va gentiment envoyer la DGSE pour dire « nous allons arrêter des rebelles ». Mais ce que ne vous dit pas, c'est qu'avec l'armée française, avec le soutien des militaires de l'ONU, ils s'en vont maîtriser un rebelle, oui c'est vrai, mais un militant de l'Afrique, c'est-à-dire un président, un ministre ou un dictateur qui refuse la domination française ou la domination occidentale. Donc à chaque fois que l'armée occidentale, l'armée française attaque un pays africain, il faut vous dire, c'est parce que des Africains ont voulu se rebeller contre la puissance de l'Afrique. À chaque fois qu'on vous dit un tel est un dictateur, c'est pour vous cacher que c'est quelqu'un qui veut sortir de la domination africaine. Que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Kadhafi, que ce soit un autre. Il faut vous dire aussi qu'à chaque fois qu'un de vos présidents accueille un président africain ou va se tenir un président africain, c'est qu'il soutient un de ses émissaires placés en Afrique. Depuis les indépendances, tous les présidents africains étaient soit des militaires français, soit des légionnaires français.
Pour vous donner l'exemple, le président Houphouët Boigny en Côte d'Ivoire a été président de l'Afrique pendant 10 ans en tant qu'ambassadeur français en Afrique. La France est l'un des pays les plus riches du monde, presque aussi riche que les Émirats arabes. Si vous ne voulez pas nous croire, allez vérifier les comptes du ministère des Finances. Parce qu'on vous ment tous les jours. La France possède gratuitement des puits de pétrole en Afrique, possède gratuitement du bois en Afrique, possède gratuitement énormément de richesses en Afrique. La France possède plus de 20 000 milliards de francs CFA bloqués à la Banque de France. Ces francs CFA font des intérêts qui sont gagnés par l'État français. À chaque fois qu'un président français donne de l'argent à un pays africain, c'est avec l'argent des intérêts. C'est-à-dire qu'il prête à un président africain l'argent de l'Afrique en lui demandant de rembourser plus tard. C'est-à-dire que si un pays africain vend 100 000 dollars de cacao aux États-Unis, d'abord il faut l'accord de la France, parce que l'argent appartient à la France, et deuxièmement, la France va garder 75% de cette somme. 50% en espèces de frais de gestion, et encore 50% du reste en impôts coloniaux. C'est-à-dire que ça fait 70 ans que les pays africains payent des impôts coloniaux. Et le reste, ce qui reste, c'est-à-dire que les 25%, le pays africain ne pourra l'utiliser que si le ministère des Finances, la Banque de France, en donne l'autorisation. Si l'utilisation n'est pas nuisible aux intérêts français. Donc, il faut, amis françaises et français, nous dire, tout un chacun, que l'esclavage est terminé, oui, c'est vrai, que les crimes d'Hitler étaient graves, oui, c'est vrai, mais que nous, Français, faisons pire qu'Hitler depuis 70 ans, et en notre nom. Et en plus de ça, la France tue des Africains en notre nom, mais en plus de ça, l'argent, nous ne le voyons pas. Donc nous avons... Voilà, Marseille va gagner peut-être la Coupe de France. On espère que ça va donner à manger aux Marseillais ce soir. Donc, ce que je vous disais, je ne sais plus. Donc en fait, il faut comprendre que dans cette façon de gérer ces anciennes colonies, qui sont toujours des colonies, puisque la colonisation que nous avons aujourd'hui est pire que la colonisation d'avant, puisque c'est de l'esclavagisme colonial. Lorsqu'on met des gens à genoux, que l'on domine militairement, économiquement, politiquement, et avec des médias qui mentent tous les jours, parce que lorsqu'on vous dit « tel pays meurt de faim en Afrique », il faut savoir que l'Occident avait créé une guerre 2 jours avant. Il n'y a aucune région en Afrique où on meurt de faim si l'Occident n'avait pas créé une guerre avant. C'est-à-dire, tout comme en Sibérie ou dans l'Antarctique, ou je ne sais où, des gens font des trous dans les igloos pour manger, dans les pays du désert, on fait des trous, on fait des puits, et on sait où trouver à manger. Simplement, lorsqu'il y a des gens qui font des guerres pour tel ou tel puits de pétrole, et qu'on est obligé de se déplacer, on a du mal à manger. À chaque fois que vous entendez parler de famine en Afrique, c'est parce que l'Occident a créé une guerre en Afrique. Et il faut comprendre que ce que nous, Français... Pourquoi nous, Français, faisons des crimes en Afrique? Parce que nous, Français, sommes gardiens de l'Afrique. Nous sommes gardiens de l'Afrique avec l'aide de l'ONU. Le rôle de l'ONU en France, en Afrique, c'est de surveiller les intérêts de l'Occident. L'ONU n'a pour seule règle, n'a pour seule responsabilité que de surveiller les intérêts de l'Occident. L'armée française, plus l'armée onusienne, est protégée aussi par ce qu'on appelle la Légion étrangère de France. La Légion étrangère, ce sont des militaires qui ne sont là que pour tuer. Leurs ordres, c'est tuer et tuer. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour réfléchir. Et ensuite, vous avez les services secrets qui s'appellent la DGSE. Par exemple, ceux qui ont été sortir le président Gbagbo et Kadhafi sont la DGSE, c'est-à-dire des forces spéciales qui sont là pour faire les magouilles. Donc, amis français et françaises, on ne vous dit pas ça pour vous énerver, pour vous dégoûter, pour être anti-français. Mais simplement qu'en 2016, on ne peut pas, en tant qu'être humain... Moi, ce que je vous demande, c'est avant de savoir si les Africains meurent ou pas, ok, c'est un problème, mais c'est de se poser cette question, est-ce que nous, Français,
en France, en 2016, on peut continuer à être des esclavagistes, à être des criminels, à être des assassins. C'est ça la question que je demande à Nuit Debout de réfléchir. Et c'est pour ça qu'à Paris, nous avons la Commission France-Afrique et tous les jours, nous discutons tous ensemble pour comprendre comment trouver cette solution. Parce qu'il faut vous dire encore, amis français, tout l'argent qui est payé et volé en Afrique vont dans des banques offshore, vont dans des paradis fiscaux. C'est-à-dire que n'est même pas bon pour nous, le peuple. Ça veut dire qu'avec des vrais accords d'égal à égal entre les peuples africains et les peuples français, vous verrez que la France sera encore plus riche. Parce que l'argent, on va le voir. Aujourd'hui, l'argent qui est pillé en Afrique, personne ne peut le voir. Il n'y a personne ici qui peut dire exactement l'argent en franc CFA bloqué à la Banque de France. Personne ne peut dire combien Total fait de bénéfices. Personne ne peut dire combien Bolloré ou Bouygues fait de bénéfices, parce que c'est tellement gros que c'est caché. Et j'espère qu'à Marseille aussi, vous allez commencer à réfléchir à ces questions. Et je vous remercie de m'avoir laissé la parole. Super, merci beaucoup pour ton intervention. Et juste pour compléter sur le franc CFA, j'invite, voilà, il y a un livre qui s'appelle « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique » écrit par Nicolas Agbou, qui détaille tout ce qu'il vient de dire. Il faut savoir que le franc CFA est né en 1945, vous vous rendez compte, juste après que les Africains aient libéré notamment Marseille, quoi. Parce que sans les Africains, il n'y aurait jamais eu le général de Gaulle, il n'y aurait jamais eu la libération, il n'y aurait jamais eu la victoire contre le nazisme. Et qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur a imposé le franc CFA, cette ignominie, quoi, qui continue à durer, quoi, qui a duré après les indépendances. Et les indépendances, elles se sont passées aussi par des guerres abominables, toutes ces guerres ont continué sous différentes formes. On occupe militairement, on pille les richesses, c'est sûr. Et puis financièrement, on possède la monnaie. Donc on contrôle ces États et tout ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'on n'entend pas, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il faut s'informer pour savoir la gravité de ce qui se passe, quoi, que c'est devenu une banalité, quoi, qu'on inverse tout. Et vous pouvez voir des conférences de Nicolas Agbou aussi, qui est un très bon pédagogue, qui explique très bien ces rouages du franc CFA. Sur des différentes conférences qu'il a faites, qui passent sur YouTube. Et les Africains savent bien que c'était une catastrophe d'avoir fait un coup d'État en Côte d'Ivoire et d'avoir aussi fait ce qu'ils ont fait en Libye, quoi. C'est tout ce que ça a entraîné, quoi. Et il est temps ici d'ouvrir les yeux, quoi, de se rendre compte à quel point c'est dramatique pour tout un continent, quoi. Et de prendre conscience de ça, quoi. Parce que là, il y a un fossé qui s'est créé. Et merci de pouvoir la pensée, quoi, la réflexion, qu'on puisse combler ce fossé là entre les peuples. Merci. Excusez-moi, je reprends, j'espère, pas de façon mal polie ou autre, mais il y a une dame qui vient de nous poser la question. Elle vient de poser la question, c'est très intéressant ce que vous dites. Et la question posée est, mais si la France ne domine plus l'Afrique, qui va la dominer? Donc je lui dis, mais madame, lorsque les Africains sont venus libérer la France, ils ne se sont pas posés ce genre de questions. Et donc, je voulais rappeler cette petite histoire à tous les Français qui sont ici. On va faire un petit cours d'histoire. Dans la guerre 1939-45, il y avait des accords entre la France, les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Vous avez remarqué que l'Allemagne envahit la France en résistance. Il y avait des intérêts pour mettre tous les peuples d'Europe en industrie et travailler comme le bon peuple allemand. Et personne n'a vu que du feu. Cependant, il y a un gouverneur français, guyanais, qui s'appelait Félix Eboué. Comme tous les Noirs, hein, les Noirs, ils aiment tellement l'Europe, ils aiment tellement la France. Il a dit non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas que la France soit soumise à l'Allemagne. Et tous les autres généraux lui disaient, mais non, t'inquiète, les Allemands sont trop forts, on ne peut rien faire. Et Félix Eboué, il a dit non, je ne suis pas d'accord.
Donc moi, je vais attaquer l'Allemagne. Donc Félix Eboué, pour ceux qui pourront aller vérifier, a réuni les armées africaines et a combattu l'Allemagne et l'Italie dans le nord de l'Afrique. À partir de là, les accords allemands, français et anglais se sont trouvés un peu embêtés. Ils ont dit, si jamais l'Allemagne perd, on sera dans la merde. Parce qu'il faut comprendre vraiment que ce qui se passe dans le monde est assez grave. L'ennemi des Africains est le même que l'ennemi des Français. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Et donc, c'est les banquiers se sont posés cette question. Mais si jamais Hitler perd, on va être dans la merde. Donc, comme Hitler est obligé d'envoyer des militaires combattre en Afrique, il s'est affaibli en Russie. Et les Russes pouvaient gagner. Donc, les Américains ont fait des accords avec les Russes. Ainsi, celui qui gagnait, voilà. Et donc, sans un imbécile qui a voulu sauver la France, on ne sait pas pourquoi, aujourd'hui, les Français seraient allemands. Aujourd'hui, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, ce qu'on vous appelle l'appel à la libération de Gaulle, il a suivi l'appel de Félix Eboué. C'est que le deuxième appel à la résistance.